Je suis en deuxième année de bachelor de droit et management sur le campus Alpes-Europe à Annecy. Je viens de Thônes, j'ai toujours voulu faire du droit. Et quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle fac qui ouvrait à Annecy, j'ai voulu essayer de tenter ma chance et j'ai été prise. L'UCLI s'installe cette année sur un nouveau campus, à deux pas du centre-ville d'Annecy. Puis on a des installations toutes neuves au service de la réussite des étudiants, mais d'une manière aussi beaucoup plus large, au service des Annéciens qui pourront venir nous voir, s'y rendre, organiser des choses, des manifestations scientifiques, des activités associatives et tout ce qui va avec un projet universitaire. Alors sur notre tout nouveau campus, on a du coup plein de nouveaux endroits qui ont fait leur apparition. Déjà, on a eu trois amphithéâtres, notamment du coup celui qui est derrière moi. On a ensuite tout un espace étudiant où on a des télés pour se détendre aussi, et aussi des lieux pour tout ce qui va être bureau des étudiants, donc des petites salles pour se réunir. On a aussi une bonne bibliothèque universitaire à taille humaine où on a de disposition tout un lieu pour réviser, mais aussi du coup tout un lieu aussi pour partager nos connaissances. On a aussi un rooftop qui va nous permettre de faire des soirées networking, aussi de faire des réunions pourquoi pas avec les étudiants, d'organiser des événements. Ça peut être très intéressant. Et bien évidemment, la vie est belle depuis le rooftop. Alors, sur ce campus sont présents la faculté de droit de l'Université catholique de Lyon, qui délivre des diplômes de licence de droit en convention avec l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Il y a aussi présent l'école de management, l'ESDES, qui délivre un diplôme de Bachelor in Business avec trois spécialisations dans le luxe, dans l'industrie et en communication digitale. En deuxième année, on rentre dans le vif du sujet, et notamment parce que l'année prochaine, vu qu'on a notre année en Irlande, on doit être, à la fin de l'année, être censé être bilingue. Et en plus, du coup, on a plein de matières en anglais. Bon, c'était un choix, on avait soit le choix en français, soit en anglais. Mais c'est vrai que le fait de le proposer en anglais, je pense que ça permet d'évoluer dans une optique internationale. Bah, je pense qu'Annecy, c'est une ville déjà à taille humaine. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. De manière générale, tous les jours, je me sens très très bien sur le campus. Ça donne envie de venir, de voir des nouveaux locaux, de voir des nouveaux bâtiments et de voir aussi des nouvelles personnes. Moi, je sens que tout le monde est bien ici, que tout le monde est content. Autant les professeurs, le personnel que les élèves. Et je crois que sur ce campus, on essaie de créer ce que je pourrais appeler une bonne humeur, un ingrédient important pour la réussite de nos élèves et pour que les professeurs se sentent contents d'enseigner ici. Pour moi, l'UCLI Alpes-Europe, ça représente l'ouverture.